Bonjour à tous et bienvenue à cet autre rendez-vous de l'épreuve de l'écho. Rendons-nous pour l'ouvrir en Uganda où les autorités s'apprêtent à ouvrir le secteur de la transmission électrique aux investisseurs privés. Cette libéralisation permettra l'afflux des capitaux dans ce secteur qui a été laissé à la traîne après le développement accéléré de la production et de la distribution électrique du pays grâce aux investissements privés. Le gouvernement a en effet procédé à la privatisation par celle de ces segments au début des années 2000. Selon l'autorité nationale des régulations du secteur électrique, ERA, au moins 2,5 milliards de dollars devront être investis dans les infrastructures de transmission au cours des sept prochaines années, des investissements nécessaires pour l'écoulement de la production des centrales qui entreront bientôt en service dans le pays. Selon le porte-parole de l'IRA, le gouvernement explore actuellement la possibilité d'ouvrir la transmission électrique à cet investissement. Ils ont d'après lui plusieurs centrales en cours de développement et ont besoin d'assurer qu'il y a assez d'infrastructures électriques pour acheminer cette énergie vers le consommateur. La puissance électrique ougandaise est prévue pour croître de 55% et d'atteindre 1825 MW au cours de cette année avec l'entrée en service de nouvelles centrales. Le pays a déjà actuellement un excédent de production de 450 MW à cause du faible développement de réseaux électriques et du coût élevé d'électricité. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest avait déjà d'abaisser, ce à compter du 27 mars dernier, le taux d'intérêt applicable aux adjudications sur appel d'offres et de le porter à un taux maximum de 2,50% avec un volume suffisant de liquidités. C'est le niveau le plus bas atteint par ce taux directeur. Elle a également décidé un élargissement des supports admis au refinancement de la BCAO. En facilitant l'accès des banques à la monnaie centrale en abaissant son coût d'obtention, la BCAO conforte la liquidité bancaire et accroît la faculté de ces derniers à octroyer des crédits au secteur privé à un taux d'intérêt moindre aussi la BCAO autorise les banques à classer les rapports d'échéance dus à cette crise en créances saines et non en créances en souffrance comme le préconise le plan comptable bancaire en vigueur. ces mesures d'ordre monétaire et comptable ne seront donc pertinentes que si l'on anticipe l'activité économique de sorte qu'elle reprenne à l'identique à la fin de cette pandémie. Or, rien n'est moins sûr, car personne ne peut savoir si cette crise ne va engendrer des modifications de comportement et de consommation et donc impacter la production à l'avenir. Par ailleurs, compte tenu des normes réglementaires, des divisions des risques tels que la limite d'engagement sur une même signature, des limites de concentration sectorielle interne des banques, des volumes d'engagement existants, mais surtout de l'importance des financements additionnels, les financements requis pour assurer la suivi de certains secteurs économiques clés, comme le transport aérien par exemple, peuvent dépasser la capacité du secteur bancaire à y faire face. Un hiver doux des parts d'eau de l'Atlantique avait diminué la consommation de gaz pour le chauffage dans l'hémisphère nord. L'épidémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver ce ralentissement de la demande gazière. Même si le coup de frein n'est pas aussi brutal que pour le pétrole, principalement affecté par l'arrêt des transports, la consommation de gaz devrait être inférieure de 15 à 18 aux prévisions de 2020. L'on relève donc un déclin de 3 rien que pour la production d'électricité. Cela se traduit par une supposition gazière, en particulier une supposition de gaz naturel liquéfié, le GNL, transporté à très basse température au bord des méthanies dès le mois de février, le Qatar, premier exportateur mondial de GNL, a commencé à rédiger ses cargaisons à l'Asie frappée par le coronavirus vers l'Europe qui était déjà la destination phare du GNL américain devenu indésirable en Chine, mais l'économie européenne s'est à son tour trouvée stoppée par l'épidémie. La Russie s'est adaptée en baissant sa production gazière de 20 de même que la Norvège. Certains grandes compagnies ont annulé leurs commandes de GNL américain, ne payant que le service de liquéfaction. En revanche, le Nigeria a continué d'expédier des métaniers vers l'Europe, de même que le Qatar. L'Europe étant effectivement la région du monde qui offre la plus grande capacité de stockage souterrain. Mais les réserves européennes arrivent à saturation. Elles sont, d'après Thierry Brousse, spécialiste des questions gazières, à 60% pleines, à un niveau normalement élevé de 15 à 20% de plus que d'habitude. L'expert n'exclut pas qu'on arrive aux capacités maximales dans les trois prochains mois avant la fin de l'été. Ce sera alors le signal pour des prix négatifs du gaz en Europe et probablement par contagion en Asie. Ces phénomènes qui étaient inédits pour le pétrole jusqu'au 20 avril dernier s'est déjà produit plusieurs fois pour le gaz aux États-Unis en 2018 et 2019, mais le gaz était alors sous-produit du pétrole de schiste qui était beaucoup plus rentable. La crise économique provoquée par la pandémie présente des différences fondamentales avec la grande dépression et la croissance devrait reprendre plus vite malgré un chômage très élevé et une profonde récession, a affirmé dimanche le patron de la Banque Centrale Américaine Jérôme Poel si ce manager a évoqué des perspectives d'une économie florissante avant la pandémie, des banques solides et une réaction adéquate des autorités. Il estime aujourd'hui qu'un pic du taux de chômage à 20 ou 25% est probable et que la chute du PIB des états unis au deuxième trimestre sera facilement dans les 20 et les 30%. L'économie américaine a été très sévèrement ralentie par les mesures de confinement imposées à la majorité de la population du pays pour tenter d'enrayer l'épidémie qui a déjà fait près de 90 000 morts dans le pays et en a affecté près de millions et demi selon les données disponibles compilées par l'université de Johns Hopkins. Les États-Unis comptent ainsi le plus grand nombre de décès dans le monde. Le patron de la Banque centrale a estimé qu'il était possible de trouver les morts pour exprimer la souffrance infligée par la maladie, mais c'est voulu optimisme pour l'économie à plus long terme et même le moyen terme pour lesquels il déconseillerait de parier contre l'économie américaine. Jérôme Powell a souligné que cette économie va se remettre, bien que cela nécessite un peu de temps ou même un temps certain. C'est au total près de 36,5 millions de personnes qui ont pointé au chômage depuis l'arrêt brutal de l'activité économique mi-mars et le taux de chômage a bondi de 3,5% en février à 17,7% en avril. Tous les indicateurs se sont effondrés, de la croissance à la consommation, moteur traditionnel de l'économie américaine, en passant par la production manufacturière. Le rapport annuel sur les 1000 plus grandes fortunes du pays, publié chaque année par le son de Thème depuis 1989, montre que ces riches particuliers en famille ont vu leur patrimoine fondre de 54 milliards de livres, soit plus de 60 milliards d'euros en Grande-Bretagne en seulement deux mois. C'est la première fois depuis 2009 que la richesse cumulée des ces 1000 résidents fortunés du Royaume-Uni diminue. Plus de la moitié d'entre eux se sont appauvris avec une fortune estimée à 16,2 milliards de livres. L'inventeur industriel James Dyson fait un bond de la cinquième à la première place du classement. Le roi de l'électroménager profite à la fois de bonnes performances de ses entreprises et des déboires des autres milliardaires. Les frères Sri et Gopi Injuda en tête du classement en 2019, passe en deuxième position. Les propriétaires du conglomérat indien du même nom ont vu leur fortune fondre de 6 milliards de livres, la plus grosse chute du tableau. Leur patrimoine est estimé à 16 milliards de livres et à avec celui d'une autre fratrie d'hommes d'affaires, David et Simon Robben. Parmi les autres milliardaires célèbres, le magnat de l'acier, Lakhmi Mittal, a perdu 4 milliards de livres et se classe 19e. En 2020, le Royaume-Uni compte... 147 milliardaires, soit 4 de moins que l'an dernier. Londres reste néanmoins la capitale mondiale des milliardaires. 89 d'entre eux y sont basés. La première analyse détaillée des finances des super riches depuis le début de l'épidémie du COVID-19 ravive les craintes d'une longue et profonde récession, a commenté le son de Time. Le journal souligne qu'au moins 63 membres de la liste, dont 20 milliardaires, ont sollicité pour leurs employés l'aide du fonds public mis en place pour la durée de la crise et qui assure aux travailleurs 80% de leur salaire à hauteur de 2500 livres par mois. C'était tout pour la livraison de ce jour. Prenons rendez-vous pour demain, même heure, même chaîne.